un nouveau lundi de la lecture. Aujourd'hui, je vais vous lire Maurice, le monstre gentil. Maurice, le monstre gentil. Maurice était différent de tous les autres monstres. Sa voix était aussi douce et rafraîchissante qu'une limonade en pissenlit un jour d'été. Il mangeait uniquement des aliments verts et biologiques. Et pour couronner le tout, il était terriblement photogénique. Papa et maman monstres s'inquiétaient beaucoup. Les monstres rugissent, rappelait maman. Les monstres détruisent, encourageait papa. Tu dois apprendre à être moins civilisé, déclara un jour maman monstre. Nous t'avons donc inscrit à l'abominable académie des monstres monstrueux. Maurice réfléchit à sa situation tout en grignotant tranquillement une brochette de choux frisés. Il était un monstre. Il était censé être féroce, affreux et bougon. Il ne voulait certainement pas que sa vie soit un gargantuesque échec. Il mit donc de l'ordre dans sa chambre, attrapa un sachet de beignets au pouce de luzerne et se mit en route pour l'abominable académie des monstres monstrueux. Abominable académie des monstres monstrueux, nous rugissons, nous tapons fort et nous sommes de terribles carnivores. Leçon numéro 1, grogna le directeur. Comment apprendre à pousser un épouvantable rugissement? Tous les monstres répondirent en chœur en poussant des cris terribles. Ouah! Tous, excepté Maurice, dont la voix s'éleva très haut au-dessus de celle des autres en un charmant « la » aigu. Un mot fut envoyé à papa et maman monstre. Le rugissement de Maurice est horriblement mélodieux et c'est malheureusement un plaisir pour les oreilles. « Leçon numéro 2 !» grommela le directeur. « Comment dévorer salement sa viande ?» Tous les monstres se mirent à déchiqueter, arracher, dépecer, lacérer leur viande. Tous, excepté Maurice. Il déplia une serviette sur ses genoux et dit « Excusez-moi, il y aurait un menu végétarien ?» Un deuxième mot fut envoyé à papa et maman monstre. « Maurice est terriblement propre et poli et nous avons dû lui confisquer ses beignets au pouce de luzerne. » « Et maintenant ?» annonça le directeur, vous allez apprendre à détruire. Tous les monstres présents dans la salle se mirent à casser, saccager, démolir, écrabouiller. Tous, excepté Maurice, qui esquivait les objets gracieusement en esquissant quelques pas de danse pour éviter la pagaille. Tu es beaucoup trop léger sur tes jambes, le sermonna le directeur. Alors que Maurice était persuadé que le pire était passé, le jour de la photo de classe arriva. L'un après l'autre, les monstres se précipitèrent en chahutant bruyamment. Leur affreuse grimace faisait éclater les lentilles de l'appareil photo. Maurice s'avança à son tour, bien déterminé à réussir cette épreuve. Il fronça les sourcils et rugit. Il grogna, il grommela. Mais au moment où le photographe appuya sur le bouton, Maurice faisait son plus beau sourire. Un dernier mot fut envoyé à ses parents. Si Maurice s'entête ainsi à sourire, il ne fera jamais de progrès. Maurice commençait à penser que l'abominable académie des monstres monstrueux était une terrible erreur. À ce moment précis, il y eut un grand remue-ménage dans la salle de classe. Une créature non identifiée s'était introduite dans l'académie. L'un des monstres grogna, mais la créature grogna encore plus fort. Un autre monstre tenta courageusement de l'attraper, mais il était trop lent et trop maladroit. Terrorisés, tous les monstres tremblaient comme des feuilles. Tous, excepté Maurice, qui fit un pas chassé vers la gauche et sourit de son plus doux sourire. « Approche-toi, petite créature !» chantonna-t-il mélodieusement.
La créature s'arrêta net et regarda Maurice en écarquillant les yeux. Maurice sortit de sa poche un beignet au pouce de luzerne qu'il avait réussi à cacher et le tendit à la créature. Stupéfait, les monstres virent la créature s'approcher sagement de Maurice et se blottirent contre lui. Apprends-nous ce tour de magie ! S'exclama le directeur. C'est ainsi que Maurice fut nommé amadoueur officiel de créatures pour l'abominable Académie des monstres monstrueux. Ce fut un succès éléphantesque. Sa rédaction « Comment amadouer les créatures leçon 1 »« Employer la douceur du monstre » remporta le premier prix lors du concours de rédaction de l'Académie. Il fit même campagne pour que le chou frisé soit ajouté au menu de la cantine. Et il créa la première chorale de l'Académie, les barytons. Maurice était vraiment différent de tous les autres monstres. Et ça, c'était monstrueusement formidable. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Au revoir.